La famille, n'oubliez pas de vous abonner et de liker l'épisode, c'est très important. J'ai une bonne nouvelle la famille, j'ai ouvert ma deuxième chaîne YouTube pour vous mettre une nouvelle mini-série dessus. Donc allez vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, bon visionnage. Je suppose qu'on peut t'expliquer un petit peu, non? On est au Maroc. Donc t'as capté aussi que c'est la merde ici. C'est-à-dire que ça vous gère en France. Et la tête d'homme, ça devient de plus en plus difficile. On a leur famille, ça veut dire qu'ils ont plus le choix. On va retrouver Aiden. Il va ralasse fort. Où ça, le barbeur Hassan, là? Exactement. Comment ça, le Maroc? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'elle fout au Maroc? Moi, je pense qu'il y a vraiment un cutter à gratter là-bas. Viens au Maroc, on prend le premier vol, je t'attends. Ça te dérange pas, on fait un petit tour avant. Venez, on sort, là, j'en ai marre de rester ici. Pas mal le salon, franchement. Hé, la caisse, t'inquiète même pas. On va la voir. Nawara. Putain, qu'est-ce qu'elle fait là, cette pute? Pour le paper, je donne plus de sentiments. Je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, gros que veut mon cœur. Je suis là pour le paper. Non, ça, les gars, c'était à la maison toute la journée. On a rien fait du tout. Je comprends pas là, vous voulez pas récupérer Aiden? Sauf, tu veux pas récupérer Julie? On sait même pas par où commencer, on a aucun plan. On va faire quoi? On va sortir pour rien faire. Franchement, autant rester à la ville là. Autant rester là. C'est pas en restant à la villa, frérot, qu'on va avoir une piste. Faut sortir, je sais pas, les chercher, montrer des photos pour voir s'il y a des gens qui ont vu le D, qui ont vu BK. Non? Bien, ils ont pas la tête à sortir. Moi, en vrai, je suis d'accord avec Souf. S'il y a pas de piste, ça sert à rien. Donc vous préférez rester à la villa, jouer à FIFA à l'envers? La télé, elle est là, pourquoi vous jouez à l'envers? Vas-y, je me cache qui prend. Frérot. Trois. T'abandonnes? Vas-y, hein. On joue à l'envers. Comment je vais faire pour le tirer à Sanaobi? Ils vont me tuer. Ça, tu gères comment à distance? En vrai, ça va, tu vois. Mais c'est toujours mieux des surfaces parce que là, t'as vu, je suis ici. Je sais pas trop un petit peu. C'est plus comme ça. Vas-y frère, je commence à avoir une crampe là. Vas-y, ferme ta gueule, compte. Comment ça ferme ta gueule? Eh, hey, casse pas les couilles, compte, je t'ai dit. C'est un baiser, Hassan. Laisse une kishta comme ça dans sa caisse. Il s'y attendait vraiment pas. Hein. Ah ben nous, on l'a fait. Par contre, frérot,
Ça reste entre nous. BK et LED, ils ont pas besoin de savoir. Vas-y. Alors BK, tu te caches, hein? Vas-y, sors, c'est un homme, assume! Salut! T'es où? Hein? Espèce d'enculé! Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus de couilles tout seul? Viens, je suis tout seul, ma gueule! Vas-y, parle! Y'a que toi et moi maintenant. T'étais au courant depuis le début. Espèce d'enculé. T'as pété le plomb ou quoi? On a grandi ensemble. Tu vas me le refaire à chaque fois ou quoi? Putain! Eh, c'est simple. Maintenant que je sais la vérité, tu me dois un service. Et je sais très bien qu'il y a que toi qui peux me faire ça. Parce que t'es proche du dé, espèce d'enculé. C'est très bien de quoi je parle. Aiden. T'as mon contact. J'attends ton message ou ton appel. N'en parle à personne. Et après, on sera quitte. T'étais où? Ouais, toi, t'étais où? Depuis tout à l'heure, je t'appelle, frère. J'avais plus de batterie. Vas-y, ok, c'est comment? Moi je l'ai pas eu, tu l'as attrapé toi? Je l'ai croisé. Et du coup tu l'as monté en l'air? J'ai parlé avec lui. Comment ça t'as parlé avec lui? J'ai eu une discussion avec lui. Attends. Donc t'es en train de me dire que là vous êtes sur une belle course poursuite. Ouais BK, attends me raf, attends, deux spies. Viens, on se pose autour d'un bon beret d'éteil, autour d'un bon thé chaud. C'est comment? Bah j'ai kidnappé ton frère et toi c'est comment? Bah j'ai récupéré mon frère. Ça va, ça se passe? Ouais bah juste un traître et toi c'est comment? Bah donc dire n'importe quoi, vous avez dit quoi là? Tu sais même pas ce qu'on s'est dit. Bah vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. J'ai parlé de ton fils. Comment ça t'as parlé de mon fils? De quoi tu me parles? Frérot, c'est le seul qui peut nous aider. Attends. Tu lui as quand même pas demandé de nous aider. T'as une autre solution ou pas? Mais frérot, t'as oublié ce qu'il t'a fait en France ou quoi? T'as oublié ce qu'il nous a fait en France ou pas? On parle de BK là! On peut pas avoir confiance en lui! T'as complètement pété les plombs ou quoi, frère? Mais t'as quoi dans le crâne? Wesh, frère! Quand tu me parles de Fox, soit disant tu lui fais confiance, y'a pas de problème là! Frérot, BK, je sais que je peux lui faire confiance.
Je sais qu'il peut nous aider. Donc là, t'es en train de me dire que Becca, il a kidnappé ton petit frère et tu me dis je peux lui faire confiance. J'arrive pas à te comprendre, frérot. J'arrive pas à te suivre. Fox, maintenant, tu te fais bien confiance, non? Bah alors? Je sais pas quoi dire, frérot. Je sais pas t'as quoi être Becca. Mais ça va te perdre. Et maintenant, s'il se fait encore ta gueule, on fait comment? Hein? Est-ce que tu seras prêt à le tuer de tes propres mains s'il se fout de ta gueule encore une fois? Ben réfléchis bien, frérot. En attendant, garde ça pour nous. Si quelqu'un te demande ce qui t'est arrivé, je t'ai jeté de l'eau, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis, frérot? Là, il vient de percer. 15 piges, il a signé en pro. Tu te rends compte, le petit con? Wesh, Becca. Oh, je te parle là. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure, t'es rentré, tu parles plus. Et t'arrives quoi? Vas-y, frère, je suis fatigué. J'ai passé une dure journée. C'est très bien que ça me casse les couilles d'être ici. Ah ouais, t'es fatigué, dure journée. Quand t'auras tétale, ça va te casser les couilles. Eh, hey, si t'es pas content, la porte, elle est grande ouverte. Ça va ou quoi, les gars? Ça va et toi, frérot? Ça va et toi? Ça va, ça va. Vous êtes partis un peu vite la dernière fois. Hein. Bonjour. Bonjour. T'avais réservé? Non, même pas, hein, tu connais. Ouais, tu connais, on était pressés. Vous êtes venus vous couper? Non, même pas, mais tu fermes à quelle heure? Aujourd'hui, on ferme à... Ça va, mon ref? Ouais, ça va, tu connais, au calme. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ça a pas l'air d'aller, là. Non, je te dis que ça va, ça se passe bien. Sans indiscrétion, il t'est arrivé quoi là? Rien du tout. Ok, ben frérot, on va repasser. Vas-y. Prends soin de toi. Merci mon ref. C'est important mon ref. C'est des bons, hein. Faudrait plus de gens comme ça dans la vie. Là, je commence à en avoir marre, frère. Je veux juste récupérer mon fils. C'est trop demandé, Zama. Ça va s'arranger, frère. Inch'Allah. Appelle masqué. Vas-y, réponds. Allô? Ouais, allô? Tu m'entends bien? C'est qui? C'est la personne qui te tient par les couilles. Ça y est, t'as trouvé mon numéro, toi? Tu t'es enfin décidé à m'appeler? T'attends quoi pour payer? Tu tiens pas à ton fils? Eh, je crois que t'as pas compris, toi, en fait. J'ai pas compris quoi? Eh, hey, je vais jamais céder à ton putain de chantage. Tu captes ça ou pas? Putain. T'es sûr de ce que tu dis? Eh, hey, je suis très sûr. Vaut mieux pour toi que tu me rendes le petit. Et on s'en arrête là. C'est mieux pour toi et pour moi. T'en penses quoi? T'es vraiment sûr de toi? Tu connais notre famille pourtant. Tu sais de quoi on est capable. Toi aussi, tu sais de quoi on est capable. Hassan, écoute bien. Prépare-toi à assumer les conséquences. Ah, parce qu'en plus, tu crois que tu me fais peur? C'est un baiser, fou là. Tu tiens ton petit, il te parle comme ça. Je suis complètement malade. Il va assumer. Il a raccroché le fils de pute. Il joue à quoi poser des ultimatums comme ça, ce fils de pute là? Putain, tu commences vraiment à te casser les couilles, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas te nourrir toute seule? J'ai soif. T'as soif?
Mais pas moi. Je peux pas. Moi, tu peux pas. Bois. Bois, je t'ai dit bois. Bois. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Le D, il m'a appelé, il m'a demandé de ralasse, j'ai pas voulu. Et il m'a menacé, c'est tout. Bref, j'ai une question pour toi, Fox. Tu penses que le D serait capable de faire du mal à Aiden ou pas? T'as vu, franchement, j'étais avec Aiden. C'est impossible. T'es sûr? Impossible. C'est un gosse, wesh. Ouais, mais avec lui, on sait jamais, frère. C'est une famille de fous. Je pense qu'il a raison. Je le vois pas faire du mal au petit. En vrai, il a 2 ans et demi, il va rien lui faire. C'est juste que voilà, il veut bluffer. Il veut que tu payes. Moi, je pense que t'as bien répondu, en vrai. Okay. Du coup, on fait quoi maintenant? On attend, frère. On attend. C'est carré. Farouk, il se doute même pas que c'est nous. Ouais, j'ai vu ça. Si Farouk, il se doute pas que c'est nous, Hassan, il le saura jamais. Beka et le D, encore moins. Ça veut dire, frérot, que toutes ces talles, elles seront pour nous. P9 max, vas-y, on se casse. C'est carré. Vas-y, pute-le maintenant. De quoi? T'as un baiser, toi, quoi? T'as pété les plombs, quoi. J'étais chaud pour tuer Julie, moi. Le petit, c'est pas mon dos. On parle de tuer un petit, là. Si tu le fais, ça va être la guerre. T'as capté ou pas? Et alors? Moi, je suis prêt pour la guerre. Pas toi? Je crois que t'as pas capté. Je suis prêt pour la guerre. Pas tuer un gosse. Putain, t'as vraiment pas de couilles. Faut tout faire tout seul ici. Vas-y. Putain, les gars, j'ai un mauvais pressentiment, là. Wesh. Le D, il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé sa localisation. Comment ça? Il m'a dit, si tu vas voir ton fils, viens maintenant. On y va. Fils. Attends, le H. Est-ce que t'es sûr que c'est pas un piège, là? Attends, c'est pas toi toute la journée, tu me rabâches, on peut pas sortir si on a pas de piste. On en a enfin une, viens, on y va. Je suis encore convaincu. Souffle, t'en penses quoi? Moi, les gars, je vous dis la vérité, je pense qu'il faut appeler la police et laisser faire les autorités compétentes. J'étais règle, on y va.
Ah, parce que c'est le moment de faire des blagues. Papa, il sera toujours là.
Je suis toxique, mais j'en veux de l'argent, croque veut mon cœur. J'suis...